Salut à tous les amis, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve bien, non, on se retrouve plutôt pour la 15e quête pour le Dofus Emerald. Donc on commence à avancer pas mal, il nous reste plus que deux grosses quêtes avant de commencer les quêtes pour le Dofus Emerald justement. Par contre, je vais juste regarder un petit truc. Alors, mais où sont les Dofus? C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça. Vert émeraude, voilà. Donc ça, c'est toutes les quêtes qu'on devra encore faire après avoir terminé la série que... Enfin, la série de 15 quêtes qu'on vient de faire. Donc aujourd'hui, ça va être la quête La Magicienne des Marécages. Donc en rendant la quête Le Dark Vlad et Ne Pas Mourir, vous continuez de parler à Ronan le Sage et il vous lance la quête automatiquement. Donc il nous dit d'aller voir Myrianna. Par contre, ce qu'on va vite faire, c'est aller chercher comment dire, le Zap, qui est un peu plus haut, si c'est possible, bien sûr. On peut pas, bien sûr, c'est pas grave. Faut avoir l'alliance qui contrôle la zone. Mais comme vous le savez, je suis sans guilde actuellement et... Oh là là, comment je vais faire pour aller là, moi? Par là, je pense que je peux y aller. Donc on va aller en moins 2-0. Alors, allez voir la sorcière Myrianna. Voilà, c'est bon. Donc, je regardais pour vérifier si c'était au bon endroit. Oui, c'est bien là-bas. Merde, c'est pas le bon endroit. J'ai oublié de reprendre le zap, c'est super. Alors, on va aller par ici. Je pense qu'il y a un endroit où on sait aller dans le marécage. Au pire, on ira par l'autre côté, hein, c'est pas grave. Bien sûr, c'était pas là que je devais aller. Allez, tu montes encore une case. Voilà, tourne ici à gauche. Je dis pas ce que je pense, mais je pense que je dis. Allez hop. Là, on doit grimper et une fois au-dessus, on va par la gauche. Il me semble que c'était comme ça. Nanana, 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 nanana. On va voir si je connais bien la carte, hein. Mon avis, je suis en train de me planter totalement. Mais c'est pas grave. C'est pas ici. Y'a quoi sur ce caillou? Y'a rien du tout. On va essayer de continuer à faire le tour. On va par là. Mais je suis en train de me planter, hein, je le sais bien. Je vérifie quand même pour être sûr. Ouais, non. On va aller par l'écho à lac. Ça ira beaucoup plus vite. Alors, montagne d'écho à lac. Alors, par où est-ce qu'on va aller? Enfin, ça va être long en plus. Oh là là. On va tout à droite. Et on monte. Je sais plus trop par où c'est l'entrée en fait, c'est ça le problème. Il me semblait qu'il y avait une entrée par Amakna, mais bon, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas ce que je pense. Oh là là. Allez, on y va.
Ça va, on peut rentrer ici à droite, donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors, normalement il n'agresse plus. Ouais, ça va, ça c'est cool. Les crocodiles. Allez, on avance. On avance le petit, on rentre dans le marécage. Allez, on va par là-dessus. Voilà, on continue d'aller par là. N'empêche, en deux épisodes, on se sera tapé deux labyrinthes. Mais celui-ci, ça va, c'est moins compliqué. Voilà, on y est déjà. Je dis pas ce que je pense, mais je pense que je dis. Allez, on va lui parler, dire que vous êtes envoyé par Ronald le Sage, balbutie. Et voilà, on termine la quête, la magicienne des marécages, et on commence la quête. Mais où sont les Dofus? Je pense que celle-ci répond qu'il s'agit du Dark Vlad. Écoutez la suite. Mais où sont les Dofus? Ah yes, on a reçu un titre! Yes! Fini d'avoir le vieux machin enquêteuse là. Oh. Maintenant, on a le titre. Chercheur de Dofus. Voilà, c'est ça qui est beau. Donc alors, on a lancé une nouvelle quête. Donc ça va être la quête suivante, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Cueillir une fleur des marais, couper du trèfle puride. Voilà, donc on va couper ici. Je vais recommencer la quête pour. Enfin, la continuer en tout cas. Donc c'était là tout de suite. C'était la 15e quête. Donc on est parti pour les vraies quêtes, entre guillemets, qui comptent pour le succès. Pour avoir le Dofus Émeraude. Donc on s'en rapproche de notre petit Dofus. Donc j'espère qu'on l'aura bientôt. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!